bonjour, je m'appelle Zelba et j'ai récemment écrit et dessiné un roman graphique qui s'appelle Dans le même bateau, qui est paru chez Futuropolis et qui parle sur toile de fond des 30 ans de la chute du mur, enfin de la chute du mur de Berlin et de la réunification des deux Allemagnes. Dans ce livre, je raconte ma jeunesse, parce qu'à l'époque, j'avais 16 ans et je faisais de l'aviron à haut niveau. Et mes premiers Allemands de l'Est, je les ai rencontrés par le biais de ce sport. Et donc voilà, pour moi, c'était l'idée, c'était de parler de l'histoire de mon pays natal aussi, de façon à ce qu'on ne la trouve pas dans les livres d'histoire, mais plutôt de leur donner un visage humain. Et d'ailleurs, je raconte un peu plus comment je suis passée à côté de la chute du mur et de la réunification, parce qu'à l'époque, j'étais bien occupée par autre chose, par les garçons, par le sport, par l'école, les copines, voilà. Un grand classique. Et donc voilà, donc je raconte l'histoire de la première équipe nationale junior d'aviron de l'Allemagne réunifiée, avec des Allemands, des jeunes Allemands de l'Est et des jeunes Allemands de l'Ouest, beaucoup plus de l'Est d'ailleurs, dans cette équipe, et comment on a réussi à se rencontrer, à surmonter des préjugés, à accepter nos différences. C'est mon 10e livre déjà, Dans le même bateau, et c'est le premier livre qui va être traduit en allemand, et je suis absolument ravie que ma famille, mes amis pourront pour une fois lire un livre que j'ai écrit et dessiné. C'est pas mon premier livre autobiographique, mais c'est le premier one-shot, comme on dit dans le jargon, avec une grande histoire autobiographique, et c'est vrai que ce livre m'est très cher, parce que j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi dedans, beaucoup d'énergie, beaucoup de douleur. Je parle aussi de ma famille, c'était une manière aussi un petit peu de faire revivre ma maman, qui est morte depuis longtemps, et voilà, il y a beaucoup de... C'est un livre pour lequel j'ai vraiment mis mes tripes sur la table. Voilà. Je pense que le monde aujourd'hui est une image aussi, à l'image de notre usage que nous en faisons. Et l'usage du monde aujourd'hui n'est pas forcément le bon, toujours. Ça me parle parce que on essaye à notre petite échelle de faire bon usage, d'être respectueux et je trouve que ce festival est très beau parce qu'on se mélange, on est mélangé avec plein de cultures, plein de langues, et on est envoyé sur le terrain, et ça c'est magnifique parce qu'on fait beaucoup de festivals où tout le monde se retrouve dans un lieu, et là on est envoyé sur le terrain, à gauche, à droite, on rencontre plein de gens très très différents, et c'est magnifique.